Eh bien bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo dans ma grange. Effectivement encore une fois un décor assez spécial. Et la dernière fois que j'ai fait une vidéo ici, il s'est passé quelque chose, j'ai entendu du bruit. Et figurez-vous que c'est des petits chatons que j'ai retrouvés. Alors c'est pas du tout le thème de la vidéo. Aujourd'hui on va unbox un clavier et une souris de la marque AliExpress. Enfin du moins qui viennent d'AliExpress. Mais sinon voici des petits chats. Alors là on va tout simplement leur faire peur si je m'approche de trop. Ici il y a la maman. Et derrière il y a les petits chats, ils sont trop beaux. Voilà, c'était juste pour l'anecdote. Dites-moi si vous voulez faire une petite vidéo sur ces chats-là qui sont assez sauvages, qui sont venus chez moi comme ça, sans rien demander, et qui se sont installés. Bon, je commence un petit peu à avoir chaud. Écoutez, on va commencer à s'installer et à faire l'unboxing, donc c'est parti. Et bien, heureux, donc toujours pas de micro-cravate, on va se contenter des écouteurs. On a tout simplement cette souris et ce clavier juste ici. Voilà, AliExpress m'a envoyé pour faire une petite vidéo, une petite review, donc c'est parti, on va commencer à l'ouvrir sans vous montrer mon adresse, sinon je risque d'avoir des petits problèmes. Ah, je sais pas pourquoi, mais en haut comme ça, là, il fait très chaud. Pourtant, c'est vraiment en pierre, en fait. Tout est en pierre. Mais malgré ça, il fait quand même très chaud. Mais sinon, la salle, je suis très satisfait, les gars, de ce que j'ai fait. Franchement, on fait des soirées incroyables là-dedans. Il y a des lumières de partout, il y a un rétroprojecteur. C'est incroyable. Je kiffe trop, vraiment. Si vous voulez que je fasse des vlogs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ok, donc, on va ouvrir ce clavier. Il a pris quelques petites bosses, en fait, tout simplement, durant le transport, je pense, parce que la boîte est un petit peu pliée. Puis, il est très bien protégé par ça qui l'enveloppe. Et aussi par ça, le coin en polystyrène plastique, c'est plutôt pas mal. Donc on va le sortir délicatement les amis, et on a aussi le repose-poignet qui est juste ici. Alors ça c'est assez intéressant à voir, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose sur un clavier. Ça fait passer un clavier basique à un clavier assez balèze, pas mal. Commençons par le repose-poignet qui est juste ici. Ok, c'est du plastique, mais il est bien foutu. De toute façon, je vais vous faire des plans, vous me connaissez, je vous fais à chaque fois des plans pour vous montrer les objets et comment ils sont et un petit peu la texture. Et on a du coup le clavier juste ici. Alors, je l'aime bien parce qu'il est en ferraille, il est vraiment plutôt clean. Alors, on peut déjà voir qu'il est en ferraille, moi je le ressens qu'il est en ferraille, c'est assez froid et du coup, bah, c'est beaucoup plus résistant. On a un bouton ici qui va servir pour le son, je pense, ou la luminosité, on va voir dans tous les cas. Des petites touches assez sympas, de quel switch les amis? On va voir, switch noir, ok, ça marche. Un filtre essai juste ici et des petits bouts en plastique qu'on peut déplier pour surélever le clavier juste derrière. Et à savoir que moi, je les casse tout le temps quand je rage, c'est-à-dire que j'ai cassé au moins 2-3 claviers juste à cause de ça. J'ai tapé dessus et ça s'est cassé. On est donc sur un clavier à environ 35 €. Donc pour 35 € en vrai, on a quand même une bonne qualité. Honnêtement, je trouve que là, pour le coup, on a quelque chose d'assez résistant avec des belles touches, un beau clavier. Et encore, on l'a pas encore branché les amis. Ok, alors ensuite, on va déballer la souris juste ici. On est sur un packaging un peu plus propre que sur le clavier. Mais ça reste que du détail ça. Mais je trouve que ça, c'est important en fait pour l'expérience client. J'ai quelques petites choses à redire. Je trouve que ça fait beaucoup d'emballage et je trouve que ce genre d'emballage en fait c'est un peu dépassé par rapport à ce qu'on voit d'habitude sur les souris en ce moment. C'est à dire que là c'est vraiment beaucoup beaucoup de plastique. Bon, je prends un petit air écolo en disant ça les amis, mais je trouve que ça met pas bien en valeur comme il faudrait cette souris. Je suis sûr qu'avec un autre emballage et ben on aurait l'impression qu'elle coûte plus cher et du coup que l'expérience client sera meilleure. Déballer ça, on a un câble tressé qui reste quand même assez souple et ça c'est pas mal. On retrouve ça sur beaucoup de souris. Ça nous permet tout simplement d'avoir une agilité assez cool avec cette souris, même si le fil est tressé. Ok, on est sur un clic très satisfaisant. C'est assez ergonomique aussi parce que là, il y a des trous et c'est beaucoup plus léger du coup. Et aussi, on a le RGB qui passe ici, enfin qui va sans doute passer ici. Alors, on est donc sur une souris qui tourne aux alentours des 20 € et je trouve ça très 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 raisonnable. Un setup clavier souris à 55 €. Et pour 55 €, honnêtement, on a quelque chose d'assez clean. Et bien on a légèrement changé de plan pour pouvoir voir un petit peu le RGB. Je le branche sur mon premier PC avec lequel j'ai commencé mes vidéos. Hop, c'est parti. Et on est sur déjà quelque chose de très fluide. On a un RGB très fluide. On a ce bouton qui est bien RGB comme il faut. Je vais tout simplement le mettre comme ceci. Le repose-poignet, du coup, qui s'aimante. Donc c'est plutôt pas mal. Il suit le clavier. Si on le bouge, ça va pas s'enlever. C'est vraiment très smart. Moi j'adore. On va essayer de découvrir. Ah, on peut changer les modes grâce à ce bouton. Ok, ben c'est vraiment clean. Il y a beaucoup de modes qui sont très très fluides et très agréables à regarder. Ok, alors maintenant au niveau de la souris, on est vraiment très clean également. Vu que le RGB passe discrètement tout autour de la souris, c'est plutôt pas mal. On a aussi le logo à l'intérieur. Alors ça, c'est une première, je crois que je n'avais jamais vu ça. Donc c'est plutôt pas mal. On a aussi la molette qui est RGB, enfin au moins qui est rétroéclairée en fonction du DPI. Écoutez, moi je vous propose de faire tout simplement une petite cinématique et ensuite de se retrouver sur mon setup pour pouvoir tester ces produits en jeu.
Et bien on se retrouve donc pour tester le clavier et la souris. Comme vous avez vu, j'ai tout mis en place, j'espère que l'angle vous plaît. Alors on est sur Minecraft pour tester ce clavier. Et à première vue, la souris elle est plutôt très légère, même très très légère. Et je pense que c'est dû notamment au petit trou au-dessus pour qu'elle soit encore plus ergonomique. Je sens qu'elle est vraiment super légère. Écoutez, on va tester ça tout simplement en ligne sur Funcraft. Ça doit bien faire 2 semaines que j'ai pas joué, mais c'est pas grave, c'est pour le test. J'ai pas remarqué, mais le clavier était en QWERTY. Vraiment grosse erreur de ma part. On va faire un petit tick à brain pour tester tout ça les amis. Mais déjà on peut, comme on avait vu juste avant, voir qu'il y a beaucoup de modes de couleurs qui sont relativement assez fluides, même très fluides je dirais. Ma connexion. Non. Mais non. Mais oui, regarde, même le mec dans le chat, il me dit Taco, mais oui, ma connexion. On pourra noter qu'elle est très résistante. J'ai rage quitte, vraiment j'en ai marre. Ok, donc c'est parti. Bon, la souris n'est vraiment pas faite pour le butterfly, bien évidemment. Le clavier fait un bon bruit, honnêtement. On a vraiment un bruit assez cool et assez discret. Écoutez, je pense qu'on a assez vu avec ce clavier et cette souris. Et je pense que je vais attribuer une petite note juste après dans l'outro. Donc c'est parti pour l'outro. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce clavier et cette souris? Eh ben les gars, honnêtement, j'ai réfléchi à la note. Je pense que je vais attribuer une note de 8 sur 10. Parce que honnêtement, le rapport qualité-prix, il est au rendez-vous tout simplement. Pour un total de 55€, je pense qu'on a quelque chose vraiment de très serviable qui peut durer dans le temps. N'oubliez pas que ça vient d'AliExpress. Tous les liens seront en description si vous voulez acheter ou regarder des produits sur AliExpress. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo, ça me ferait très plaisir. Vérifiez si vous n'êtes pas abonné. Et si c'est pas déjà fait, bah, cliquez sur le bouton s'abonner, ça me ferait très plaisir. En tout cas, nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était JX.